Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce test Made in PK Foot, on se retrouve pour une nouvelle paire d'une gamme de crampons peu répandue dans le football, celle des Mizuno. Un design classique qui fait penser aux semelles de nos aînés, un style simple et efficace qui se développe avec une teinte noire des plus passe-partout. C'est l'arrière latéral Jimmy Vinman de l'ASL qui se porte garant pour ce testing de la marque japonaise. Alors Jimmy, on sort d'une petite séance, qu'est-ce que tu as pu penser de cette nouvelle paire de Mizuno? J'apprécie déjà le design, je trouve que c'est un peu un mélange à l'ancienne, là l'avant comme ça je trouve que c'est à l'ancienne et plutôt ici c'est assez récent, j'aime bien aussi la légèreté, franchement elle est assez légère, on dirait pas à vue d'œil mais finalement elle est plaisante à jouer aussi, elle adhère super bien aussi au terrain je trouve, une bonne adhérence, on accroche bien sans forcément rester bloqué. Au niveau de la semelle, qu'est-ce que tu as pu en penser? Est-ce qu'elle est plutôt robuste? Tu te sens serein au moment de la prise d'appui pour la vitesse? Ou c'est plutôt léger et la jambe part un peu vite? Je me sens assez serein au niveau de l'appui, ça part correctement sans aller trop rapidement. On a le temps de bien partir sans avoir peur de se blesser dans sa course ou quelque chose comme ça, quoi. J'ai bien aimé, ouais. Et au niveau de la frappe, c'est comment? La frappe, le toucher, il est nickel, j'aime bien. C'est, comme j'ai dit avant, c'est classique, je trouve. Donc, la balle, elle part correctement. Après, c'est au joueur d'avoir la frappe aussi. Et justement, tu penses que c'est plus pour les grosses frappes ou les petites frappes un peu placées comme ça Je pense que cette paire-là, c'est plutôt pour des grosses frappes, peut-être des gros coups francs à la... À la Juninho qui partent super bien et bien placés comme il faut, mais en même temps dans une grosse frappe assez puissante quoi. Tu privilégierais cette paire pour quel genre de joueur? Un milieu de terrain, un attaquant, un défenseur, un gardien? Je vois bien cette paire sur un défenseur. Je sais pas pourquoi, je le sens mieux sur un défenseur. Elle a l'air classe quoi. Niveau tacle et tout ça, ça a l'air franchement propre. Tu penses que tu vas faire sauter quelques chiens avec? Je vais éviter de blesser trop de gens, mais. Je vais pas non plus hésiter dans mes choix quand il faudra tacler, j'irai au tacle. Ah, ça c'est pour le coach. Hein. On te souhaite une bonne saison en tout cas avec. Merci. Voilà.